semaine prochaine, même endroit, même heure. Sauf si vous en avez marre de perdre. Allô Jean? Ouais, c'est Max, ouais. Eh ouais, j'ai encore tout raflé. Ouais, t'as raison, ça commence à devenir lassant, là. Bon, ça doit faire dans les 10 000 euros, je pense. Bon, on se retrouve dans une heure pour fêter ça autour d'un verre? Super, à l'endroit habituel. Allez, ciao. Tiens, viens. Ouais. Là, tu m'étonneras toujours, toi. D'ailleurs, non. Mademoiselle, je peux avoir deux bières, s'il vous plaît? Bon, parlons de toi, qu'est-ce que tu veux en ce moment? Bon, pas grand-chose. Comme d'hab, des petits trucs à gauche, à droite. Enfin, rien de particulier, quoi. Je m'emmerde. Est-ce que je pense à un truc, là? Je pense à une partie de poker où mon ami Jean va se faire au minimum 10 000 euros. Tu te fous de ma gueule. J'ai à peine joué à la bataille, allez. Mais non. Merci. Sauf si tu suis à la lettre ce que je te dirai de faire et quand je te le dirai. De manière, tous ceux qui sont là, c'est tous des coups. Et comment je saurais ce que je devrais faire? Bon, on va mettre une stratégie au point. Quand tu auras un super jeu dans tes cartes, tu renifles légèrement. Puis tu fonces, tu mises un maximum. Moi, peu importe mon jeu, je me coucherai. Par contre, quand moi j'aurai du jeu, ça va, des bonnes cartes, je commencerai ma phrase par « bon ». Tu retiens ? Bon. Là, tu sauras que tu dois miser un maximum. Moi, j'abandonnerai, je me coucherai. Les autres, voyant que je me couche, abandonneront aussi. Et t'es sûr que ça va marcher, cette sorte-là ? Hé, tu es une référence quand même, non ? Quand les autres verront que je me couche, ils diront que j'ai peur du niveau de tes cartes. Ils oseront pas aller plus loin, c'est sûr. Ok, allez, je te fais confiance. Monsieur, un peu de concentration. On attend un dernier joueur. Le voilà. Bonsoir. 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 Vous attendez pour commencer. Messieurs, tirez une carte. Et la rivière. Monsieur. Tapis pour 68. Tapis, monsieur, vous suivez? Oui. Tapis suivi. Couché, monsieur. Foule des dames par les 10. Il va falloir attendre qu'il crève pour prendre son tapis à celui-là. Max! Hé! Hey, Max! T'es un beau salaud, hein? Il fallait que ce soit toi qui finisse quand même par gagner. Allez, file-moi le pognon maintenant. Tu rigoles ou quoi? Le fric, il est à moi, je l'ai gagné, je pouvais pas faire autrement. Hé, hey, t'as vu ces gars-là? C'est des pros. Ils auraient flairé l'arnaque tout de suite. T'as pensé un peu à moi? Moi, sur ce coup-là, j'y ai mis tout mon fric. Putain! On avait un accord! Désolé, mon vieux. Mais il y a un seuil où le pognon l'emporte sur l'amitié. Et puis, si t'avais été si malin que ça, hein? C'est toi qui m'aurais niqué. Oui, allô, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'aimerais vous parler de Max. Oui, le champion. Non, moi non plus, je porte pas dans mon cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais vous rencontrer. Cet après-midi, 16h, dans le parc de l'abbaye de la Cambre, vous porterez un chapeau? D'accord.
avez certainement entendu parler de la dernière victoire de Max. Bien sûr. Le meilleur était là. Toute la ville est au courant. J'y connais rien au poker. J'étais le complice de Max sur cette partie, uniquement grâce à un code. On devait partager les gains, et cet enculé, il a tout gardé pour lui. Je veux me venger de cet enfoiré, et vous allez m'y aider. Ce sera pas évident. Je connais un croupier dans un club privé. Il doit pas mal de fric. Je pourrais lui proposer de réduire sa dette. Il manipulera les cartes lors de la distribution finale. Max recevra de telles. Ça lui laisse croire à la victoire. Mais en même temps, vous y en aurez un meilleur. Max misera, probablement très bas pour que les autres suivent. Et si tout va bien, il augmentera ses mises progressivement jusqu'à avoir un tapis maximum. Et là, vous abattrez vos cartes gagnantes. La totalité du tapis sera. Je vous rappelle dans une semaine. D'ici là, je m'entraîne pour être prêt le jour J. Et alors, bye bye Max. Salut. Ça marche ? Ça va. T'as mis le canon, non ? Ouais. T'as touché ? Un peu. J'ai doublé. Pas mal. Messieurs, on va démarrer. Je distribue les caves. Messieurs les blindes, 75, 150. Tu vis ? Je suis. Je complète. Bon. Check. Le flop. Suivi. Je jetais. Payé. Couché. Alors, monsieur le croupier, on fatigue ? Tapis. Showdown. River. Roi de pique. Quatre flèches royales. Putain, mais c'est pas possible. Quelle partie de merde. Quel croupier de merde. Un seuil où le pognon l'emporte sur l'amitié.